ni bien pour gérer munitions bien pour gérer ça acheter ou bien et madame monsieur compréhension ça va renforcer dans le dernier rapport du comité d'experts qui travaille pour le compte ou bien dans le rapport des experts qui travaille pour le compte du comité des sanctions des Nations Unies qui sortit le 30 septembre là peut-être lundi prochain si pas trop grande évolution l'actualité a n'a va regarder ensemble avec auditoire là internet de ça la donne qui ça veut expliquer yo expliquer madame monsieur bon paquet d'armes un paquet matériel l'état haïtien gouvernement haïtien acheté pour le compte de ses unités de sécurité au grand étonnement à la grande surprise matériel ça yo y a joignio nommé nèg Zabio moi même Ronald les hommes guerrier Dieu seul tête junior du donné mon capitaine de là t'as remis qu'on est par quel moyen? Est-ce que c'est magie? Est-ce que c'est disparaître? Est-ce que c'est gagno qui a le cassé? Dépôt, pour dire qui gagne, zam pour entité de. Moi, t'as pensé comprendre? Processus pour gagno approvisionner en armes à feu et en munitions? Guerrier Dieu seul? On l'aime pas là avec un proche. Ou bien sous qui proche, coalition, groupe criminel vivant ensemble. Qui expliquait avec des images à l'appui, il y a des armes que la police saisit, madame, monsieur. Des armes la police saisit dans le cadre des interventions ou des opérations. Peu de temps après, les armes retournent dans la main. Soit groupe criminel qui te gagne l'avant, ou bien on l'autre groupe criminel de la place, allié ou rival. Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il pas dit vrai? Ça bonne possibilité pour nous fouiller toujours. Mais bon, on fait un petit rappel. M'bagé date là, mais information ça pas surprendre, mon capitaine de yo. L'ensemble de Galil yo te commandé pour le compte du palais national. Mais des informations officielles te fait quoi que gena Galil Zayo qui était dans village de Dieu gena Galil Zayo yo t'a joindre juge Jamaïque on s'en souvient on va aller plus loin yo dit mais qui procédure les autorités au fin saison zam qui était dans main criminel qui poursuivent jusqu'à la destruction de ça et matériel. Mais pour un raison bien pour l'autre. Pour un raison bien pour l'autre. Zamza yo qu'on retourne dans mes bandits ou elle dans mes bandits. Sans compter l'autre matériel qui est destiné à la police nationale d'Haïti. Qui pas même est arrivé pour servir l'institution police. Là. Tout neuf qui a joué un bandit. Comprenez bien, oui? Les acheter matériel là, il était destiné à la police nationale d'Haïti. Et puis comme par magie, ça ne va même pas passer en décision police à la jeune bandit. C'est bandit qui va le décacher, le bandit d'expert, madame, monsieur, il dit ça dans le dernier rapport là. Guerrier du seul. Détournement des matériels destinés à la police de, nationale d'Haïti au profit des gangs armés. Alors, ça n'a pas l'air là. Fusil d'assaut Galil par les nationales là. Ok. Information a été fait quoi? A été joignée en possession d'un gang qui est indexé dans massacre à la Saline. Non? Oui, un fusil d'assaut Galil PNH en possession d'un gang qui démantelé dans rue Porcelaine qui impliqué dans massacre la Saline. Dans information ça a été sorti 9 mai 2019. L'autre voilà. Élément quoi guerrier dit seul que mon yo doit retenir dans question bago ça n'a pas lié à là
c'est la situation, madame, monsieur, des sociétés ou bien des compagnies de sécurité privée. Ça, son cancer dans le pays. Et ça, son paramètre à considérer dans quatre batailles contre le grand banditisme en Haïti, contre le phénomène de l'insécurité. N'en déplaise avec des responsables ou bien des présidents directeurs généraux, présidents directeurs généraux de institutions AIO, mais bon paquet compagnie de sécurité qui pour beaucoup non ça n'a vive jodi a comment guerrier du seul Ronald des hommes compagnie de sécurité madame monsieur la loi tracée procédure pour acheter des âmes et la loi tout dit mais qui type de âmes vous acheter vous acheter madame monsieur m'a voulu vous remonter parce que m'a gain texte là devant j'aime là même m'certain la procédure là gain implication ministère de l'intérieur gain implication la police nationale d'Haïti ou bien ministère de la justice quelque chose comme ça pour ba autorisation et tout dit mais qu'ils ont qu'à acheter c'est une batopin c'est calibre 12 et puis arme de poing dans un étalé revolver de calibre 38 m'a rendu dire c'est 9 mm là dedans mais mes chers amis auditeurs et internautes mes frères, mes collaborateurs, si m'da dit non, que non seulement compagnie de sécurité ça y a pas acheté des âmes sans y a pas sur le couloir légal là, mais tout, madame, monsieur, y a fait rentrer dans le pays à des âmes qui va gagner pour être autorisé pour faire rentrer dans le pays. Et dans son dernier rapport, le comité d'experts, ils expliquaient malgré embargo sous amio, il y a des sociétés de sécurité privée qui opèrent dans le pays d'Haïti qui continuent à acheter des armes et munitions, madame, monsieur. Et en grande partie, toujours selon les experts des Nations Unies, du matériel utilisé par ces sociétés est acquis de manière illicite. Il n'est pas enregistré dans les bases de données nationales. Ça me doit dire là. Comme pour les civils, les sociétés qui souhaitent enregistrer leurs armes auprès de la police et obtenir une licence officielle, même rétroactivement, le font facilement et sans être questionnés sur la provenance du matériel. Dernier parti, à message dit. Même pour, même comme particulier, ou que vous pas là, au niveau de la police ou bien institution là. Avec facilité au bord papier pour nos âmes, ça ne va pas même poser aux questions comment on dit fâche-t-il, comment on fait venir dans moi, etc. C'est ça que vous avez à dire. Et l'un de ces jours, on va se faire un travail approfondi sur la question de la compagnie de sécurité. Ça, yeah. Il y a des compagnies de sécurité. L'organe où c'est 12 qui n'ont pas d'argent. Côté à travailler, vous avez pas de sécurité. Mais la compagnie de sécurité, ça, vous avez des âmes tête chargée. Yo fait venir dans le pays. La République t'a bien aimé connaît. Qui ça va faire? La République t'a bien aimé connaît. Est-ce que pas gagné? Certaines, pour répéter bien sûr, le comité des experts, n'accompagne ça yo qui est de connivence avec gang armée. Est-ce que vous pas impliqué, jouk dans zo, dans le trafic illicite qu'a fait yo là, fait amonter dans le pays pour compte compagnie, ou pas si c'est compagnie quoi ça va faire? Et puis c'est l'autre bagaille à le régler. Nous pas dit tout. Mais faut arriver par ça. Mon yeah. Dossier m'a travaillé sur lui là, ça fait beaucoup parler de lui parce que il y a des documents importants pour gagner. Il y a une compagnie dans pays là qui a fonctionné illégalement, compagnie de sécurité qui a bail des institutions et ça grave là, des institutions qui a payé l'état oui, qui a payé taxes normalement, il y a des compagnies qui pas en règle à l'état qui a bail de sécurité. Et il y a toute qualité d'âme. Et il y a un compagnie qui a été déporté dans la tête. Un citoyen qui est en contravention avec la justice américaine qui est là, etc. Qui a fait entrer des âmes par tous les moyens de, en complicité avec des membres de la diaspora haïtienne de notre droit et puis pour alimenter. Par contre, ce problème. Problème.
Absence l'État. Et on dit malgré embargo ça, qui était là depuis 2022, pardon, que renouveler là pour un an encore, 2025 là, comparé ça au toujours à faire ça maintenant dans le pays, madame, monsieur. Par contre, vous comprenez. Et, bam, li pour nous, au moins un paragraphe, en attendant, moi, dis nous, moi, viens parler nous de rapport ça. Gros source, selon les experts des Nations Unies, qui suivent l'évolution stock ZAM de plusieurs sociétés de sécurité privée dans le cadre fonction officielle, yo, et bien qui fait groupe expert yo connaît, stock sa yo te mal géré. Et société sa yo, yo te en possession d'une série de ZAM qui non enregistrées, y compris des fusils semi-automatiques, alors que l'enregistrement était obligatoire, et possession type fusil ça, l'illégal dans le pays d'Haïti. Et que, nombre ZAM à feu, madame, monsieur, que compagnie ça au gain à la disposition yo, li dépasse limite que autorité haïtienne yo, même ou bien la loi haïtienne autorisée. Groupe expert là, madame, monsieur, dans le travail traçage l'IA, li rivé, gagne Dieu seul, li permet, eh bien, déterminer, on sait une ZAM qui est enregistré, bon côté société de sécurité privée yo, et qui, al nan men criminel sans foi ni loi, madame, monsieur. Ça m'a dit tout à l'heure. Donc, c'est pas le groupe d'experts travaillant pour le compte du comité de sanctions de l'Organisation des Nations Unies qui dira le contraire, madame, monsieur. Donc, en plus de Pingaza, vous et bien l'État, parce que vous estimez que l'État lui-même, pour résoudre pour l'autre, décide pas gérer matériel ça yo, c'est des matériels sensibles, hein? On parle quand même d'armes à feu, on parle quand même de munitions, on parle quand même de matériel qui peut être en rapport avec ça yo. Pour l'État, pas même des capacités pour l'enregistrer, pour le suivre, pour l'entreposer, etc. Donc, il vient favoriser deux bagailles. Pour là, il vient favoriser détournement. N'importe qui est dans l'état d'indécision qui a décidé que tel exam, telle munition, pas prêt à faire travail à la police là, mais le bras aller, soit vous venez gang yo, vous faites comme avec, ou bien vous allez jouer gang yo tout carrément. Nous pas prendre parole, chef gang pour l'évangile, mais vos questions, vous posez tête, vous posez souvent à mon gars suivi, qui est légitime à mon sens. Vous pas voyager. Yo pas prend la rue. Oui. Même là, ou pral fait forfait, ou pral fait zak criminel, yo ti soldat ou dans la rue. Oui. Mais comment yo fait gen capacité pour yo approvisionner yo très facilement en armes et en munitions comme ça? Et nous pas parler de zam ou la ou lisa présente yo la, qui perd tout en dedans yo la, non? Des zam ou m'ga rampe, puis m'di directeur la ou lisa tire sou moi si la tire, oui. M'di pas ou la ou lisa tire sou moi. Mais m'ga chèque yo bagay, non? N'a parlé des zam yo qu'on expose. Des armes comme si tout neuf, ok, et semi-automatique ou bien automatique, de grand calibre dans la main. Donc, c'est pour une baguette magique que gagne. Donc, quelque part, bon côté ZAM passé pour lui rejoindre un bon couloir. Par contre, vous comprenez. Et je dis, si nous avons rapport de plus de 140 pages qui pour tes signatures groupe expert. Il y a lieu de se poser cette question. À quoi sert cet embargo sur les armes que vous mettez dans le régime sanction? Soit contre les gens qui ont financé, qui ont soutenu les gangs ou autres. Parce que jusqu'à présent, pendant le régime sanction, pendant la police a frappé, pendant qu'il y a un pays, pendant le nouveau blend de HTA, pendant un pile lobby ou bien un pile annonce a fait sur la police, sur l'armée, sur la MMS là. Bandi yo continue à acheter des âmes, yo continue à vendre des âmes. Mbwa albaou, gampil, il m'a pris quatre principaux gangs qui viennent dans le pays, dans la région métropolitaine. On prend Grand Ravine, on prend Village de Dieu, on prend Krasé Barrière, on prend 4 Samarozo.
ça chez Zamza ou guerrier du seul. Non mais qui est ça chez Zamza? C'est des groupes armés qui ont assez de moyens pour acheter munitions, là, oui. Ils achètent balles. Mais non, qui est ça acheté? Par contre, je vois pas. C'est je dis quand même il y a lieu de remettre en question le régime des sanctions proposées par les États-Unis. Bon, pas proposées, hein. Adopté par le Conseil. C'est texte qui était proposé par les États-Unis. OK? Soutenu par le Mexique. Nous avons remis la question. Puisque Guédé Mounio dit qu'il était visé par les sanctions, il dit, ah bon, nous sommes qui sont à l'aise, même pas c'est moi-même avec Ronald dans le pays. Mais par contre, il y a une bonne possibilité tout. Pour nous ouvrir jeune sur un ensemble de réalités, que yote qu'on a parlé de yon tout bas dans le salon, vous comprenez? Que yote qu'on a parlé de tout bas de l'air privé, que nous pas de Vladimir dans l'opinion, mais je dis ya, pas de route pas bois, que nous devons accepter et que nous connaissons qui meilleure formule, nous sommes capables de contrecarrer. Par contre, vous là, non? Oui, je vais tout ça parler. Je considère les résolutions comme un appel à responsabilité que vous faites l'État haïtien. C'est comme si je me disais que yo vle di l'état haïtien, yo pa ka vinn fè travay la pou li. Li même li genyen de responsabilité li dwe pran tout pour permettre que travay sa fèt parce que ouais, je m'en décris situation là, Johnny. Li permet an pil moun abouti à la conclusion que son insécurité d'état que nous gen sous terrain là. Parce que si l'État pas prend de responsabilité pour que les solutions de problèmes au plus haut niveau. Mais c'est normal, parce que je regarde en réalité, guerrier, Johnny. On est par exemple capable de directeur général de la police avant d'empêcher que nous ayons une compagnie de sécurité privée. OK? On est sénateur, ça va empêcher que nous ayons une compagnie de sécurité privée. On nous connaît déjà pas fait facilité là trafic d'influence etc. Qui dans la police tantôt qui gagne compagnie de sécurité. Oui. Ça veut dire que niveau trafic d'influence là, il est facile. Ouais, il est facile. Et le pire c'est que on a joué nos nèg qui doit prendre responsabilité. C'est nèg ça qui a fait zéro à tourner neuf. C'est nèg ça qui a dit mon cher soit faire, il est pas légal non mais comme c'est obligé bah ou quand même, c'est comme ça de fonctionner avec l'État. Et malheureusement pour nous dans le pays, le fait que c'est comme ça fonctionne avec l'État, ou que comme impression que, ou vient alimenter un ensemble de particuliers qui décident que, yon même yon ka à n'importe qui moment remplacer l'État à tout. Ouais? Yon ka remplacer l'État. Et c'est ça. Maintenant, nous avons un très grave que Johnny dit là, on déporté qui go compagnie sécurité. Ouais? Qui illégal, mettez sous lit encore.